Bonjour à tous les amis, ici, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un vlog. On vient d'arriver à l'appartement où nous allons dormir, un appartement qui est juste à côté du Val d'Europe. Il s'appelle The Art of Disney. C'est un des plus beaux apparts je pense que j'ai pu voir. Et en fait c'est un appartement qui est fait pour moi. Il est décoré de Disney, il est trop beau, genre vraiment faut que je vous montre ça. En fait genre là déjà il y a un petit placard avec plein de des photos Disney, enfin je trouve ça trop beau, enfin incroyable. J'ai oublié en fait simplement juste de vous montrer en partant de la porte d'entrée. Si on part de la porte d'entrée, on voit ça et regardez-moi ça. Bon alors il n'y a pas tout parce que ça rentrait pas tout, mais en fait c'est la carte originale du plan de Disney en fait. Du coup je trouve ça trop stylé. Et regardez un truc, Lily's Boutique. Ça me plaît, ça me plaît bien. Écoutez, on continue. Après voilà, c'est comme ça. Du coup l'étagère que je vous montrais juste avant. Bien évidemment, pardon, je disais il y a un miroir. Petit miroir pour le petit make-up d'Osée. Ça c'est très important, j'aime beaucoup. Après aussi c'est super drôle parce qu'en fait j'ai essayé du coup de deviner tous les châteaux de Disney. Et en plus ils sont rangés en fait dans l'ordre de leur date de sortie de film. Enfin bref, j'ai trouvé ça super original et tout, j'aime trop. Écoutez, maintenant je vais vous montrer le plus intéressant, les chambres. Salle de bain, etc. Vraiment, c'est incroyable. Déjà, là, du coup, on entre. Il y a maman dans, en fait, la chambre où je vais dormir. Qui est, en fait, un petit peu ma préférée. Parce que, t'as vu, je suis un petit peu une enfant. Et du coup, bah, voilà. Tu vas dormir avec Woody? Oui, je vais dormir avec Woody. Regardez, il est trop chou. Voilà, dans les nuages et tout, avec des petits câbles Disney, toujours. Ça, c'est la lampe inspirée de Pixar, bien évidemment. Trop beau, effroyable et tout. J'aime trop, une énorme balle, je pense que vous connaissez tous. Et voilà, en tout cas cette chambre incroyable. Après, on a cette chambre là que maman en fait adore. Moi aussi d'ailleurs, mais que vraiment maman elle adore de dingue. Et vraiment elle est trop belle, j'aime trop. C'est un peu cartoon et tout Disney, enfin, c'était trop beau. Après, tac, regardez, on continue, on va tout là-bas. Nous avons une dernière chambre en fait, qui n'est pas forcément sur un thème en particulier, etc. C'est plus en mode... un thème un petit peu vague avec par exemple Disney en mode le monde, Frontierland, etc. Enfin voilà. Toujours un petit cadre ici, les rideaux, enfin bref, incroyable, j'aime trop. Simple mais très joli. J'aime trop avec les cactus. Là on a une petite salle de bain qui est en fait un petit peu aussi inspirée de l'hôtel Marvel, qui est vraiment incroyable. C'est trop beau. J'aime trop. Moi c'est celle-ci ma préférée, Lily. C'est exactement ce que je disais à l'instant. Et après, tac, on a une autre salle de bain comme ceci. Star Wars, en effet. Voilà, incroyable. Et nous avons ici en fait, j'ai appris que ça c'était la première en fait chose dessinée ou je sais pas quoi, inventée de Star Wars. Même si je regarde pas les Star Wars, je me suis un petit peu cultivée sur les Star Wars. T'as vu, je sais au moins par rapport à la première scène, etc. Ah, voilà. Après, une pièce en fait que je préfère, c'est la pièce Avatar en fait, c'est simplement des toilettes. Genre voilà, c'est tout quoi, mais en fait ça c'est un petit cadre du coup de Avatar numéro 2, Avatar numéro 1. Et voilà, genre j'aime trop avec cette espèce de bulle, enfin je trouve ça trop beau. En plus je suis bien contente parce qu'en fait du coup si vous voulez je vous fais un petit vlog, etc. Simplement parce que du coup demain on va à Disney. Et du coup comme on va à Disney en fait cet appartement The Art of Disney est très proche de Disney forcément. Comme il est à Val d'Europe, il est clairement à une station de RER de Disney. Donc c'est très pratique. Et comme demain on doit y aller tôt en plus, voilà, je vous avouerai, j'aurais pas eu la motivation de me lever et de partir et d'être encore plus éloignée de Disney. Donc voilà, écoutez, comme ça au moins je vais pouvoir me préparer pour aller dormir. Et moi je vous dis du coup, bah écoutez, à demain. Demain on va passer une petite journée à Disney ensemble. Et puis je vous emmène avec moi, enfin tout le reste du séjour. Et voilà, bisous, à demain. Et si j'y pense, petite transition ou pas. Et coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. C'est actuellement 8h43, on est censé partir dans 2 minutes. Je suis ready, j'ai failli ne pas me réveiller, en fait j'ai failli me réveiller genre trop tard. Parce qu'en fait hier maman, je sais pas, m'a dit qu'on part à 8h40, enfin genre 9h moins quart. Dans ma tête j'étais à 9h45 du coup. C'était la fatigue. Du coup ben voilà, j'ai failli ne
être en retard finalement. Et du coup, ben, on va bientôt partir. Juste, j'ai super faim, donc j'ai pas déjeuné. Du coup, je verrai si c'est possible de déjeuner autre part. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. Un peu de poussière d'étoiles. Et voilà, bienvenue dans la forêt des nouvelles. Ça sent Disney. J'espère que vous allez bien. Écoutez, actuellement il fait nuit, nous sommes quand même à Disney. On a mangé et maintenant on est de retour à Disney pour aller voir le spectacle. Et regardez-moi ça, le... Genre l'hôtel, il est magnifique, il est incroyablement beau. Il a réouvert il y a pas si longtemps que ça. En fait, du coup, si vous voulez, on n'a pas pu vous filmer tout ce qu'on voulait en fait, parce que y avait de la pluie. Ah mais oui, il a plu toute la journée, c'est pour ça qu'on n'a pas sorti la caméra. Voilà, il y avait trop de pluie. Donc, désolé, voilà. Vlog nul quoi. Vlog pas dingue, t'as vu. Mais bon, demain on se rattrapera. Sur ce, on va voir le spectacle. Et voilà. C'est Lily. Oui, c'est... Oui. En fait, demain il a plu. Le billet genre d'entrée, il est... Genre voilà, il a pas aimé la pluie, mais les QR codes, ils sont encore là, ils sont encore présents, mais bon, le reste c'est un peu parti, c'est non, voilà. J'espère que vous allez bien, c'est je sais pas trop quelle heure. C'est 9h51, 51. Je suis prête, regardez, je brille, c'est bon, je suis maquillée, je suis habillée, voilà, carrément comme mon habit, corda et tout. On va bientôt partir, on va prendre du coup le RER jusqu'à la station, quoi. Bah, je sais pas. On verra bien. Aubert, je crois, ou... Aubert, ou... Garnier. Ou Garnier, entre un truc dans ce genre là, t'as vu. Donc voilà, écoutez, on va aller prendre le RER. On a beaucoup de temps de RER parce qu'en fait, là, comme on est vraiment à Marne-la-Vallée, chez C, etc., Val d'Europe, tout ça, c'est vraiment pas dans Paris. Du coup, RER A et on va traverser tout Paris quoi. Youpi, du coup, on a pour je crois 40-45 minutes, un truc comme ça. Mais voilà, écoutez, donc sur ce. Ben, on se retrouve dès qu'on est à Paris. Les amis, nous sommes posés dehors. On est posés dehors quoi. On est posés dehors. On est en fait on est arrivé. Là si vous voulez, du coup il y a le passage à Choiseul où il y a clairement le Fioco Shop, etc.
qui est vraiment... En fait, j'aimerais bien vous le montrer, mais il y a juste un échafaudage qui est vraiment juste devant. Juste à côté, c'est pas super donc, sympa. Bah, vous verrez pas. Et en plus, c'est un peu ouvert tout de suite, là. C'est super tard, voilà. Midi, le truc. Mais donc, midi, et c'est seulement 11h30. Du coup, là, on s'est posé dans un petit café et tout. Gabon et maman vont prendre un café, pas moi, mais ils vont prendre un café. Et après on va aller acheter plein de Sonia Angel, des petits bébés tout nus. Si, je sais, il y en a plein qui vont me demander, mais Lily, dis-moi, t'as pas cours? Je suis censée être en semaine de stage et du coup, en fait, c'est pour ça si j'ai pas cours, parce que c'est sur une semaine de stage. Donc en fait, voilà. Elle a que 3 jours de stage. J'ai 3 jours de stage et en fait, du coup, c'est pour ça, bah, on en a profité, etc., dans des petits moments comme ça où du coup j'ai rien de spécial à faire, etc. Du coup, d'aller bah, par exemple acheter des petits bébés tenus. Et ce soir, il y a un event. Enfin voilà, ça va être super bien. Je vous emmène avec moi, vous verrez. Ça va être bien. Du coup, les amis, écoutez, on est parti. On va aller au passage Choiseul. Enfin, nous y est carrément, si on parle bien en français. Et du coup, le Fioco Shop ouvre dans clairement 9 minutes. Bah, ça a pas l'air ouvert. Du coup, on va bien attendre 9 minutes. C'est déjà ouvert? C'est déjà ouvert? Nous y est. Il y a les mêmes collections. Hein. Oh, non! Il y a la collection. Il y a une collection que je n'ai pas du tout pour l'instant. C'est les fruits de mer. Enfin, les animaux de la mer. Mon petit caddie, comme toujours. Bah, déjà, regardez, venez avec moi, voilà. Je n'ai pas cette collection. C'est voilà, Marine Animal. Et voilà. Cette collection, je l'ai pas non plus. Je vous assure, hein. Oh, ouais. On va s'amuser. J'en ai déjà 4 dans mon petit sac. Regardez, Hello Kitty, elle fait dodo, elle est trop choupinote. Celui-ci. Et celui-ci. Ok. Imagine, genre, c'en est un, j'ai déjà. Mais bon, ça se trouve, imagine, j'ai le secret, genre. J'espère, genre, l'étoile de mer, parce que je sais pas, genre, je trouve, elle est trop belle, genre. Ça fait une grosse étoile autour de sa tête. J'espère. Imaginez, non. Bon, on a 4 chances de l'avoir. Ça n'a rien à voir avec les Sony Angel. C'est des Sweet Besties. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Oh, c'est Kurumi et My Melody. Dans plusieurs titres. Ah, c'est trop chou. C'est du mieux. Du coup, mes petites stars, voilà, je repars avec de nouveau un petit sac. J'en ai eu au total cette année 3. Et donc, nous avons au total 6 Sony Angel. J'en ai du coup des animaux marins, en fait. J'en ai pris 2 de cette série-là, animal, mais c'est la série 4. Parce qu'il y en a, je sais pas combien, des animaux d'ailleurs, comme ça. Et du coup, il y a les marines, la marine série, genre, c'est trop stylé. Ça, j'en ai pas du tout. Et quand j'étais déjà venue il y a 3 semaines, ils avaient pas du tout cette collection. Du coup, je suis trop contente. Du coup, bah, on ouvrira tout ça dans une autre vidéo à part, comme ça, un unboxing, etc. Je vais juste vous dire, en fait, on va continuer de se balader comme ça, hors de ce passage, choisir, etc. Et en fait, j'avais vu la dernière fois une boutique comme ça, un peu Japan Store, je sais pas quoi, avec, vous savez, des trucs où on fait des dégustations, enfin voilà, des trucs qui viennent d'autres pays, etc. Et en fait, j'avais vu, il y en avait d'autres, et d'autres collections qui n'avaient pas du tout ici. Du coup, on va essayer d'aller voir, peut-être. Voilà. Ok, du coup, écoutez, mes stars, on sort clairement du Burger King. On a bien mangé. Et là, du coup, c'est, je crois, 14h quelque chose. Et donc, on sait pas encore trop, enfin, trop là ce qu'on va faire, etc. On va un petit peu se balader encore. Et après, je vous emmène avec moi sur l'event. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. Les amis, c'est avec cette tête abominable que je vous fais une espèce de petite transition. Parce qu'en effet, là, je suis rentrée à la maison. Carrément, on est dans le futur de la vidéo. Non, en vrai, voilà, je vais juste vous dire, en fait, j'ai complètement zappé de vous faire des petites prises, etc. Entre le moment où on avait fini de manger et entre le moment, en fait, de Yves Rocher, simplement, de l'event beauté et tout, genre, voilà. Donc, c'est pour ça, vraiment, je vais juste vous dire ça. Petit moment de transition, voilà, simplement. Mais bon, écoutez, vous allez voir, en tout cas, c'était un moment très très sympathique. Il y a beaucoup
de bruit, vous allez voir, aux alentours. Donc soit il y aura un petit peu de musique, je sais pas, soit je sais pas, enfin vous verrez. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas grave, en tout cas c'était vraiment incroyable, j'ai adoré. Vous allez voir ça en images. Je suis en train de sentir les recharges, les échos recharges et tout le truc, et du coup ils sont sortis. Ça sent, on va les montrer, les passer. C'est ça aussi cher, voire plus cher que la gazette. En fait, beaucoup, tout, je trouve que ça sent super bon. Voilà, j'aime trop. Et attendez, venez voir un truc. Ça, je trouve que genre, c'est super intéressant. En fait, si vous voulez, donc à la fin, ils vont juste arriver à cette. Une bouteille en plastique et du coup éco-rechargeable, enfin tout ça, etc. Et en fait, ils sont passés par plusieurs étapes. Et donc avant, c'était une bouteille comme ça. Et en plus, du coup, moi maintenant, c'est plus petit, c'est comme ça. Et donc en fait, ça là, ça représente une bouteille comme ça, parce qu'après, c'est soufflé. Et du coup, voilà, c'est éco-rechargeable et tout, j'aime trop. Ça, ouais, du coup, les étapes, c'est que là, on recycle, enfin on récolte. Ouais, on fait des petits. Ouais, bien sûr, ça transforme des petites billes de plastique. De cette et bille, après, pour les flacons. Voilà, ça, et les flacons, ils sont soufflés pour faire ça. Et avant, et c'était ça. C'est ça. Sacrée comparaison quand même. Il y a des. Ça, j'avais déjà vu, c'est des shampoings solides. En fait, j'ai trop envie de tester. Et en plus, j'en ai à la maison. J'en ai plein. J'ai jamais testé. Je sais pas, en fait, j'ai peur que ça rende trop sèche mes cheveux, trop sec. Mais du coup, faudra que je teste. Et en plus. Ouais, voilà. Regarde, pureté, ça c'est pour moi. Pureté. Brillance, nutrition, c'est pour toi, Lily. Nutrition, douceur aussi. Après-shampoing pour moi aussi. L'après-shampoing, un exfoliant solide. Exfoliant. Un nettoyant. Et bien attendez, il y a toute une routine. Mais oui. Il faudrait qu'on la fasse ensemble. Ça, vraiment, faudrait qu'on la fasse. En plus, ils sont trop mignons, les savons. J'aime trop, j'adore. Les amis, écoutez, j'espère que vous allez toujours aussi bien que depuis le début de cette vidéo. Écoutez, non, en fait, par rapport au vlog, je n'ai pas fait de fin, simplement parce qu'en fait, j'ai pas spécialement pensé. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, je suis rentrée à la maison, car moi, je suis en train de bronzer, je prends de la vitamine D, il fait bon, je suis en t-shirt manche courte, les gars, c'est du jamais vu, carrément. Mais bon, en tout cas, ce petit séjour à Paris était super bien. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, simplement. N'hésitez pas à aller voir sur... mon compte Instagram, donc Lily Galant, Gabin et Lily, enfin bref, sur TikTok, Lily Galant, tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les voir. Il y a du contenu qui est déjà arrivé avant que cette vidéo sorte, bien évidemment. Et voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner. À très bon prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!